Bonjour, bienvenue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et de la part de la Nouvelle Jérusalem et de Cog Missionary dans ce culte français. Alléluia. 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 J'espère que vous allez bien. Le Seigneur nous a protégés, il nous a guidés pendant ces 6 mois. Il a été avec nous et pas une seule fois nous avons eu à dire « Seigneur, nous manquons de quelque chose ». Amen. Chaque jour, il nous a conduits, il nous a donné ce que nous avions besoin et bien plus encore. Il nous a bénis abondamment, il nous a donné toutes les choses, toutes les bénédictions en Christ. Et il est là aujourd'hui même avec nous pour nous guider selon sa volonté. Alléluia. Alléluia. Nous allons voir un passage dans la Bible avant de passer au chant du Saint-Esprit. Colossiens chapitre 1, verset 12-13. Colossiens chapitre 1, verset 12-13. Il est écrit « Rendez grâce au Père », c'est-à-dire remerciez notre Dieu le Père, qui vous a rendu capable d'avoir à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. 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 Nous qui étions dans le royaume des ténèbres, nous qui étions dans le royaume du péché, nous qui étions dans le royaume de l'esclavage, Dieu nous a transportés de ce royaume-là dans le royaume de son Fils, dans le royaume de son amour. Alléluia. Nous qui ne desservions rien, nous qui n'avons rien, qui sommes juste poussière, mais lui qui nous regarde. Il nous regarde du ciel tous les jours. Il nous donne sa grâce tous les matins. Et chaque jour, il est là pour nous et il nous conduit. Nous voyons qu'il a conduit le peuple d'Israël dans le désert comme une nuée de colonnes et comme une colonne de feu la nuit. On voit qu'il a été avec eux chaque jour, qu'il leur a pourvu leurs besoins. Et aujourd'hui, même si nous traversons des temps difficiles, même si nous avons quelques tempêtes qui sont arrivées dans notre vie, malgré toutes les tempêtes, malgré tous les problèmes, malgré tous les obstacles, le Seigneur a été là avec nous et il ne nous a pas abandonnés. Amen. Alléluia. Disons-lui aujourd'hui encore, Seigneur, inonde-nous encore de ta présence. Nous accueillons ton Saint-Esprit aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, que tu puisses nous montrer ta révélation, que tu puisses nous aider, que tu puisses nous guider, Seigneur. Oui, Seigneur, nous avons de ta présence, Seigneur, aujourd'hui. Père, nous voulons que tu sois là dans ce culte, Père, aujourd'hui, avec nous. Thank you.
voilà sur nous, Seigneur. Souffle sur nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. À cet instant, Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi à cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous ne voulons pas de ce culte, de cette louange, ni rien du tout, Seigneur, si ton Saint-Esprit n'est pas là avec nous. Tu nous as dit que tu nous enverrais un consolateur. Tu nous as dit que tu nous enverrais l'Esprit de vérité, l'Esprit de révélation qui nous conduirait à toi, Seigneur, qui nous révélerait Jésus. Alors révèle-nous Jésus, Seigneur. Conduis-nous dans la vérité, Seigneur. Conduis-nous selon ta présence, Père. Oui, nous sommes dans tes pas. Guide-nous, Père. Guide-nous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.
Passons donc au psaume. Mes chers frères et sœurs, prenez avec moi le psaume 143. Psaume 143, verset 1 jusqu'au verset 12. Psaume de David. L'Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme. Il foule à terre ma vie, il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois, je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. J'étends mes mains vers toi, mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. Hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel, mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel, auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. À cause de ton nom, l'Éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis et fais périr toutes les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. Relisons encore une fois le verset 10. Je veux que nous lisions ce verset 10 comme une prière que nous faisons au Seigneur. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Relisons-le encore. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Alléluia, alléluia. Passons à la louange. Alors nous allons commencer cette louange par une chanson que vous connaissez tous, c'est « Dites-le fort ». Donc si c'est la volonté de Dieu, on pourra se retrouver tous ensemble, face à face, en personne, bientôt. Alléluia. Mais pour l'instant, nous sommes en face des écrans, mais que le fait que nous soyons en face des écrans ne soit pas un obstacle pour louer complètement Dieu. Que nous puissions donner cette louange avec joie et bonne humeur, amen. Et surtout avec force. Amen. Comme nous avons lu dans le psaume, que nous soyons guidés par le Saint-Esprit, oui. Car sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Donc, consacrons ce temps à louer Dieu de tout notre cœur, avec joie, car on est là pour célébrer notre Dieu, on est là pour célébrer sa grandeur et sa gloire. Donc, je vous invite chaque personne, si vous êtes accompagné de votre famille en ce moment, d'être avec votre famille, les regarder et passer un bon moment pour Dieu, pour le louer. Si vous êtes tout seul, il n'y a pas de problème, vous allez pouvoir crier, chanter aussi fort que vous voulez, du coup, il n'y a pas quelqu'un qui pourra être là pour vous dire quoi que ce soit. Donc voilà, donnez-vous à fond, on est là pour se donner à 100%. Ne pensons pas à nos problèmes ou aux choses qui auraient pu arriver durant la semaine, car nous sommes là pour être entièrement avec Dieu, amen. Pour entièrement louer notre Dieu. Amen. Donc nous allons prendre ce chant, dites-le fort. Que les paroles que nous allons prononcer aujourd'hui ne soient pas seulement des paroles, mais que nous soyons là vraiment pour le dire fort tout ce que Dieu a fait durant toute cette semaine, durant tout ce temps qu'il a fait, durant tout ce temps, toutes les bontés qu'il a fait, toutes les choses qu'il a fait pour nous, des choses que nous avons peut-être pas attendues, des choses que nous aurions pu penser, mais qu'il a accompli d'une manière incroyable. Donc pensons à tout cela et chantons ensemble ce chant, dites-le fort. Entendez tout
tous l'appellent adorer l'Éternel, vous familles de la terre, célébrez ce que Dieu a fait, entendez tous l'appel, entendez tous l'appel, adorez l'Éternel, vous familles de la terre, célébrez ce que Dieu a fait tous ensemble, dites-le fort. Accompli des miracles dans nos vies, Seigneur. Oh oui, Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour tout.
toutes les choses que tu nous fais, Seigneur. Oh oui, Seigneur, qui pourrons nous louer, Seigneur? Qui pourrons, Seigneur, à qui pourrons nous accorder la gloire et l'honneur, Seigneur? Toi seul, Seigneur, tu es digne de gloire, Seigneur. Oh Seigneur, pour cela, Seigneur, nous nous réjouissons en ton nom, Seigneur, pour toutes les choses que tu as fait, Seigneur, pour toutes les choses admirables que tu fais pour nous, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Et Seigneur, nous sommes là, Seigneur, pour lever nos yeux vers toi, Seigneur, pour lever nos cœurs vers toi, Seigneur, pour consacrer, Seigneur, ce temps pour toi, Seigneur, seulement pour toi, Seigneur, car oui, Seigneur, tu es fort, Seigneur, tu es ressuscité pour nous, Seigneur, tu as vaincu la mort pour nous, Seigneur, et aujourd'hui, tu es là avec nous, Seigneur, tu nous as jamais abandonnés, Seigneur, jamais, Seigneur, ta main victorieuse nous a abandonnés, Seigneur, et pour cela, nous te remercions, Seigneur, c'est avec foi que nous te disons merci, Seigneur, oh oui, Seigneur, nous te remercions, Seigneur, d'être avec nous, Seigneur, nous ne sommes rien, Seigneur, et pourtant, Seigneur, tu es là à nous regarder, Seigneur, tu es là, Seigneur, à nous protéger, Seigneur, et pour cela, nous te remercions, Seigneur, oh oui, Seigneur, merci, Seigneur, nous levons nos yeux aujourd'hui vers toi, Seigneur, nous louons, Seigneur, nous levons nos louanges, Seigneur, nos paroles vers toi, Seigneur, car tu es un Dieu grand, Seigneur, tu es un Dieu bon, Seigneur, pour nous, Seigneur, tu es un Dieu incroyable, Seigneur, oui, Seigneur. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, d'être avec nous, Seigneur. Et nous voulons élever nos voix aujourd'hui, Seigneur, pour, Seigneur, t'acclamer, Seigneur, acclamer ta gloire et ta bonté, Seigneur. Car, Seigneur, tu es le seul, Seigneur, pour être digne, Seigneur, de gloire, Seigneur. Tu es le seul, Seigneur, qui accomplit, Seigneur, toutes les bonnes choses, Seigneur. Et, Seigneur, malgré, Seigneur, nos problèmes, Seigneur, malgré quoi que ce soit, Seigneur, nous sommes là, Seigneur, devant toi aujourd'hui, Seigneur, pour te louer avec joie, Seigneur, avec force, Seigneur. Seigneur, pour tout ce que tu as fait, Seigneur, et pour te glorifier, Seigneur, car tu es digne, Seigneur. Amen. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. En ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna.
Nos âmes, Seigneur, tu renouvelles nos forces, Seigneur. En toi, Seigneur, nous avons de l'espoir, Seigneur. En toi, Seigneur, nous avons une foi, Seigneur. En toi, Seigneur, nous pouvons croire, Seigneur. Nous pouvons croire à la victoire, Seigneur. Car tu es celui qui nous donne la victoire, Seigneur. Car tu es celui qui nous donne la paix, Seigneur. La joie, Seigneur, et la force, Seigneur. Oh oui, Seigneur, comment nous pouvons te louer, Seigneur. Seigneur, nous pouvons dire, Seigneur, autant de merci que nous voulons, Seigneur. Mais Seigneur, cela ne peut nous suffire, Seigneur, pour toutes les choses que tu as accomplies dans nos vies, Seigneur. Oh oui, Seigneur, Seigneur, notre naissance jusqu'à aujourd'hui, Seigneur. Jusqu'à aujourd'hui, Seigneur, tu as été avec nous, Seigneur. Tu ne nous as jamais laissé tomber, Seigneur. Peut-être que certaines fois, Seigneur, nous nous sommes éloignés, Seigneur, de toi, Seigneur, de ta parole, Seigneur, de la prière, Seigneur. Mais pourtant, Seigneur, tu as été là, Seigneur. Tu nous as attendus, Seigneur. Oh oui, Seigneur, par ta grâce, Seigneur, par l'amour, Seigneur, que tu nous donnes chaque jour, Seigneur. Tu as été avec nous et tu nous as attendus, Seigneur. Et pour cela, nous te remercions, Seigneur. Tu es notre Père, Seigneur. Tu es notre guide, Seigneur. Tu es notre roi, Seigneur. Tu es notre sauveur, Seigneur. Tu es celui, Seigneur, qui nous a sauvés de nos péchés, Seigneur. De nos ténèbres, Seigneur. Oui, Seigneur, tu nous as soulevés, Seigneur, de nos ténèbres, Seigneur. Tu nous as élevés, Seigneur. Tu nous as fait sortir de nos péchés, Seigneur. Toi seul, Seigneur, tu pouvais le faire, Seigneur, et tu l'as fait, Seigneur. Et pour cela, nous te remercions, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, pour te dire Hosanna, Seigneur. Pour t'élever, Seigneur, élever ton nom, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons te chanter, Seigneur. Hosanna, encore une fois, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons chanter que tu es notre roi, Seigneur, que tu es notre sauveur, Seigneur, que tu es notre espoir, Seigneur. Oh oui, Seigneur. À toi la gloire et l'honneur. Ensemble, prenons ensemble. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire. Oui, Seigneur, nous voulons, Seigneur, que tu sois avec nous, Seigneur, que tu sois présent, Seigneur, durant tout ce culte, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons, Seigneur, que tu sois avec nous, Seigneur, lors du partage de la parole, Seigneur. Nous voulons entendre, Seigneur, ce que tu as à nous dire aujourd'hui, Seigneur. Oui, Seigneur, quand nous lisons la parole, Seigneur, nous voulons qu'elle soit vivante, Seigneur, qu'elle puisse, Seigneur, nous parler, Seigneur, que toi, tu puisses nous parler à travers ta parole, Seigneur. Oui, Seigneur, nous remettons entre tes mains, Seigneur, la parole qui est à venir, Seigneur, que tu puisses prendre en main le frère également, Seigneur, que tu puisses parler à travers lui, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, nous enseigner, nous corriger à travers lui, Seigneur. Oui, Seigneur, nous te remercions pour ta présence, Seigneur. Nous te remercions d'être avec nous, Seigneur. Nous te remercions pour la gloire, Seigneur, pour ta gloire à toi, Seigneur. Oui, Seigneur, nous te remercions, Seigneur, et nous remettons entre tes mains cette louange, Seigneur, et Seigneur, la parole à venir, Seigneur. Merci, Seigneur.
J'espère que vous m'entendez. Excusez-moi pour ce problème technique, on va recommencer. Au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous vous souhaitons la bienvenue. Mes chers frères et sœurs, vous qui me regardez, vous téléspectateurs, vous qui me regardez sur vos écrans, sur vos smartphones, je vous souhaite à chacun d'entre vous la bienvenue au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, ce sont les aléas du direct, donc je vous invite à prendre place, à prendre votre Bible et à méditer la parole que Dieu va parler avec nous aujourd'hui. Fermons les yeux ensemble et prions. Ô Père Céleste, merci Seigneur pour cette magnifique louange que vous nous avez donnée, Seigneur, ce matin, à travers vos enfants, le frère Joshua et la sœur Sandrine, Père. Nous croyons, Seigneur, que chaque personne qui a regardé, Seigneur, cette louange, ont été remplis, Seigneur, du Saint-Esprit, et que la présence de Dieu, Seigneur, les a touchés, et qu'il y a une libération dans leur vie, Seigneur. Merci, Père. Seigneur, nous prions pour que votre parole aujourd'hui puisse parler à travers vos enfants, qu'elle puisse parler à chacun d'entre nous, Seigneur. Fortifiez-nous. Parlez avec nous, Père. Cachez-moi, Père, et révélez-vous, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Durant ces trois dernières semaines, alléluia, durant ces trois dernières semaines, nous avons vu avec le frère Joshua sur un titre qui s'intitule « Que je vive ou je meurs, j'appartiens au Christ ». Que je vive ou je meurs, j'appartiens au Christ. Ce titre, ce sujet, ce message a été séparé en trois parties pour chaque personne qui n'ont pas pu voir, qui n'ont pas eu cette occasion de voir ce message-là. Je vous invite fortement à regarder sur notre chaîne YouTube, sur la chaîne de Cog Missionaries. Vous allez au niveau de la playlist et vous choisissez le message en français. Vous allez voir qu'il y a ces trois messages-là. C'est séparé en trois parties. Je suis choisi, je suis sanctifié et je suis dévoué pour vivre ou mourir pour Christ. Nous voyons dans ces choses-là que c'est Christ vraiment qui nous a choisis. Ce n'est pas nous qui avons choisi le Christ, mais c'est lui qui est venu nous choisir. C'est Christ qui nous a sanctifiés. C'est Christ qui nous a purifiés par son sang. Et grâce à lui, grâce à cette parole, grâce à cette vérité, nous devons être dévoués pour lui. Nous devons nous donner pour lui entièrement. Entièrement. Pas juste une seule partie, mais entièrement à lui. Nous devons être dévoués à lui. Une vie, avoir de ce zèle en nous. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, vivre pour Christ. Et nous voyons dans tout cela qu'il y a vraiment deux extrémités que le frère Joshua a dit et il a annoncé la couleur directe. Les deux extrémités, que je vive ou je meurs. Que je vive ou je meurs, dans les deux cas, je dois le faire pour Christ. Lorsque je méditais sur ces paroles-là, lorsque je méditais sur ce message-là, que le frère Joshua nous a partagé, à vous et à moi. Dieu m'a parlé à travers un passage de la Bible, dans les récits de l'apôtre Paul. Prenons ensemble, mes chers frères et sœurs, 2 Timothée chapitre 4, du verset 1 à 5. 2 Timothée chapitre 4, verset 1 à 5. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, mes chers frères et sœurs, prêche la parole. La parole insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte tes frères et sœurs avec toute douceur en les instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Il viendra un temps où les hommes n'écouteront pas cette sainte doctrine, mais ayant cette démangeaison d'entendre des choses agréables pour leurs oreilles, ayant cette démangeaison d'entendre vraiment des choses qui leur plaît à eux, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils laisseront cette parole sainte, cette doctrine sainte, et ils s'assembleront une foule pour eux, détourneront l'oreille de la vérité et se
tourneront vers des fables, vers des contes pour enfants, vers des fables. Mais toi, sois sobre, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste et remplis bien ton ministère. Je répète, mais toi, oui, mes chers frères et sœurs, toi, sois sobre, sois éveillé, ne sois pas endormi, ne fais pas une sieste spirituelle. Sois sobre, sois éveillé en toutes choses, en toutes circonstances. Supporte les souffrances de Christ, les souffrances qu'il y a dans ce monde. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Annonce l'évangile, annonce la venue de Christ, remplis bien ton ministère. Remplis pas à moitié, remplis pas à un quart, remplis pas juste le début, mais remplis bien à 100% ton ministère. C'est ce passage de la Bible qui m'a parlé. Et je me suis dit, mais oui, avant d'être un grand cuisinier, je prends cet exemple pour que ça parle à chacun d'entre vous. Avant d'être un grand cuisinier, un grand chef étoilé, n'oublie pas une chose, c'est que cette personne, elle est passée par des étapes très difficiles. Peut-être qu'elle a commencé à la plonge, à juste à laver, ensuite à couper les légumes. Elle a commencé vraiment petit à petit. Elle a appris. Et un jour, cette personne est devenue un grand chef, un chef étoilé, un grand cuisinier. De même, vous et moi, lorsque nous voulons grandir dans la vie spirituelle, nous devons déjà apprendre Christ petit à petit. Nous devons apprendre, nous devons lire la Bible, nous devons prier, nous devons partager la parole, nous devons parler avec les pasteurs, nous devons se mélanger dans les études bibliques. Je vous invite encore une fois à regarder notre chaîne YouTube et regarder aussi les études bibliques qu'il y a en français, en tamoul et en hindi. Posez des questions, interagissez avec nous. Et lorsque vous posez ces questions-là, lorsque vous grandissez spirituellement, à ce moment-là, vous devenez vraiment une personne forte spirituellement. Vous devenez fort spirituellement. Donc, le titre de ce message, le titre qui m'a été donné aujourd'hui, pour faire tout ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Quel est le titre? Nous devons combattre le bon combat. Nous devons mener le bon combat. Faire le bon combat. Oui, mes chers frères et sœurs, enfants de Dieu, peuple de Dieu, je vous dis une chose aujourd'hui. Nous devons combattre le bon combat. Nous allons voir comment, contre qui nous devons nous combattre, premièrement. Nous allons voir contre qui nous devons nous combattre. Deuxièmement, nous allons voir comment, quels sont les outils pour? Et troisièmement, pourquoi je dois combattre le bon combat? Premièrement, contre qui devons-nous combattre? Pour ceux qui prennent des notes aujourd'hui, contre qui devons-nous combattre? Lorsque je vous donne ce titre, non, mes chers frères et sœurs, beaucoup de personnes peuvent le penser. Il ne s'agit pas d'un combat dans un octogone ou il ne s'agit pas d'un combat dans n'importe quel art martiaux. Il s'agit d'un combat spirituel. Avant de grandir spirituellement, moi aussi j'ai fait cette erreur dans les études bibliques. J'ai demandé à pasteur, oui pasteur, moi aussi j'ai envie de me combattre pour Christ. J'ai envie de faire plein de choses. Mais pasteur m'a repris, m'a dit non, c'est pas ce que tu crois, c'est pas ce combat-là. Le combat spirituel est encore plus grand que le combat physique, le combat de la chair. Le combat spirituel est encore une étape au-dessus. Et la parole de Dieu a ouvert mes yeux. Et c'est cette même chose que j'ai envie de partager avec vous, pour que vos yeux, à vos tours, soient ouverts. Alléluia. Alléluia. Or, nous le savons, notre combat sur cette terre n'est pas contre la chair et n'est pas contre le sang. Non. Notre combat sur cette terre n'est pas contre les frères et sœurs, n'est pas contre les hommes qui viennent nous critiquer, n'est pas contre les personnes qui sont jaloux de nous, c'est pas contre les personnes qui viennent nous dire des méchancetés. Non. Par contre,
le combat est contre les autorités, les dominations et les puissants des ténèbres, les princes des ténèbres, pardon, les esprits mauvais qui entourent ce monde. Oui, notre combat doit être tourné vers ça, doit être ciblé vers ces genres de personnes. Prenons le verset Éphésiens chapitre 6, verset 12. L'apôtre Paul nous le dit clairement. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Oui. Pourquoi voulez-vous vous énerver contre une personne qui s'est tout simplement peut-être vautrée sur vous, qui est venue vous, qui vous a bousculé, ou qui vous a fait une queue de poisson lorsque vous conduisez? Pourquoi vous vous énervez contre eux? Pourquoi vous voulez vous en prendre à vos parents ou à vos enfants? Pourquoi vous devez vous énerver sans raison? Non, mes chers frères et sœurs, notre combat doit être uniquement spirituel. Spirituel. Apprenons à pardonner aux gens qui viennent nous faire du mal. C'est facile à dire, mais c'est dur à le faire. J'essaie de le pratiquer dans ma vie. Je vous exhorte aussi, mes chers frères et sœurs, peuple de Dieu, à faire la même chose. Apprenons ensemble à pardonner. Je vous ai parlé d'un exemple d'un cuisinier, un grand chef étoilé. Avant de savoir cuisiner un plat, il a dû commencer à apprendre les ingrédients. Il a commencé par des petites choses. Il a commencé par savoir doser ses ingrédients pour faire un plat. Vous aussi, si aujourd'hui nous ne commençons pas à pardonner les personnes pour des petits problèmes, comment dans le futur nous pourrons pardonner une personne lorsqu'il y aura un grand problème, lorsque nous serons surmontés, lorsque nous serons confrontés à un grand problème? Comment nous allons pardonner? Comment? Donc apprenons dès maintenant à pardonner petit à petit. Et lorsqu'il y aura une tempête, lorsqu'il y aura des éclairs dans notre vie, lorsqu'il y aura des gros problèmes qui viendront sur nous, même si le ciel nous tombe sur la tête, comme diraient certaines personnes en France, même si le ciel nous tombe sur la tête, nous n'aurons pas peur. Nous serons pardonnés en Christ. Nous saurions pardonner les gens en Christ. Alléluia. Donc, nous avons vu comment, contre qui nous devons combattre ce combat. Nous allons prendre aussi Matthieu chapitre 12, verset 29. Matthieu chapitre 12, verset 29. Jésus-Christ, lorsqu'il s'adresse au peuple, il dit: ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Que veut dire ce verset? Comment vous voulez prendre les gens qui sont dans ce monde? Comment vous voulez sauver les gens qui sont dans ce monde? Comment vous voulez étendre votre main pour ramener les gens qui sont dans ce monde, qui sont dans les œuvres de Satan, si déjà auparavant vous n'avez pas lié Satan? Jésus-Christ vous a donné toute autorité sur Satan. Non, Satan n'est pas encore vaincu, il le sera. Mais pour l'instant, Dieu nous a donné cette autorité par le nom puissant de Jésus-Christ. Si nous-mêmes nous sommes dans le péché, comment allons aider une autre personne pour sauver de ce péché? Donc contre qui est tourné notre combat? Notre combat doit être uniquement spirituel. Elle est contre les princes des ténèbres. Lorsqu'une personne nous fait du mal, nous ne devons pas être énervés contre cette personne-là. Nous ne devons pas mal parler contre cette personne-là. Mais malgré, nous devons savoir pardonner cette personne et prier pour que les mauvais esprits qui sont dans cette personne soient libérés, soient partent au nom de Jésus-Christ. C'est ça le seul combat. Deuxièmement, nous allons voir comment et quels sont les outils. Vous le savez, mes chers enfants qui regardaient ce message, les enfants de notre école du dimanche, vous le savez, vous les avez appris par cœur. Nous sommes très fiers de vous. Pour un soldat de Christ, pour une personne qui doit faire le bon combat, il y a ce qu'on appelle des armures spirituelles. Oui, notre Dieu nous donne des armures spirituelles. Nous pouvons voir aussi dans la suite de Éphésiens, ne prenons pas, mais dans Éphésiens chapitre 6, de versets 13 à 18,
Dieu nous dit, revêtez-vous de ces armes pour fuir toutes les ruses du malin, pour savoir ce que le malin a envie de faire avec vous. Dans ces armes, qu'est-ce qu'il y a ? Premièrement, il y a la vérité pour ceinture. Donc on vous demande de mettre la ceinture de la vérité. Soyez toujours honnête. Dites toujours la vérité, en tout temps, en toutes circonstances. Quelle est la vérité ? La parole de Christ aussi est la vérité. Soyez honnête en tout temps. Deuxièmement, la cuirasse de la justice. La cuirasse, revêtez-vous cette cuirasse de la justice. Soyez toujours pour la justice. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Jésus-Christ, le royaume de Dieu. Comme il est écrit dans l'évangile de Matthieu. Troisièmement, revêtez aussi ces chaussures qui vous donnent ce zèle, le zèle que vous avez entendu, que vous avez appris dans les évangiles. Ce que Christ a fait devant les gens, devant les juifs, devant le peuple, devant les apôtres, et ce que les apôtres ont fait à leur tour. Prenons ces chaussures, ce zèle, courons, ayons cette détermination pour le Christ. Quatrièmement, par-dessus tout, prenons le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. La Bible dit clairement dans Éphésiens chapitre 6, lorsque vous lisez les versets, il vous cite ces trois choses-là, que ce soit la ceinture, la cuirasse et les chaussures. Il dit par-dessus tout, prenez ce bouclier. Oui, le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Lorsque les personnes vous lanceront des piques, vous lanceront des flèches, mettez ce bouclier en avant. Mettez ce bouclier de la foi en avant. Ensuite, le casque du salut. Le casque que le Christ nous a donné. Le casque du salut. Oui, nous avons été sauvés par le Christ, par son sang. L'épée de l'esprit. Cette épée qui est plus tranchant que n'importe quelle lame à double tranchant. Cette épée qui peut séparer les joints, les moelles et les jointures. Nous voyons dans les psaumes. Et aussi, vous pensez que c'est fini les armures ? Vous pensez que c'est fini ? Non, le verset suivant il dit « Et faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. » Beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes qui parlent de la parole, vous oubliez cette arme. Ça c'est une arme vraiment énorme dans notre armure qui doit faire partie. Notre Seigneur Jésus-Christ ne nous a pas donné cet ordre de mettre un coup de bouclier ou un coup de casque ou un coup d'épée, non. Il ne nous a pas demandé d'utiliser tout ça. Par contre, il nous a demandé d'utiliser une chose, les prières et les supplications. Lorsque vous êtes revêtis de ces armures-là, c'est pour savoir quelles sont les ruses de Satan. Mais une des choses, une action que devez-vous faire, c'est la prière. Donc comment vous devez combattre, faire la prière et des supplications en tout temps et en toutes circonstances, mes chers frères et sœurs. En tout temps, lorsque vous êtes avec vos parents, lorsque vous êtes avec vos camarades, lorsque vous êtes avec votre entourage, vos collègues, en tout temps, priez sans relâche. Apprenons à discerner ce qui vient de Dieu et ce qui vient de Satan. Une petite chose, Satan ne va pas vous dire « Non, viens, on va mentir ensemble. » Il ne va pas vous dire « Viens, on va voler ensemble. » Il ne va pas dire « Viens, on va mentir. » Non, il est très malin. La Bible dit que c'est le malin. La Bible dit clairement qu'il va utiliser sa ruse. Il va ruser sur vous pour vous faire tomber dans le piège. Donc, soyez toujours attentifs. Soyez vigilants. Ne dormez pas dans la vie spirituelle. Lorsque vous dormez, lorsque vous allez faire une sieste dans la vie spirituelle, à ce moment-là, Satan viendra vous semer des graines dans votre vie. Et malheureusement, ces graines vont grandir, vont donner des mauvaises herbes qui vont s'emmêler entre vos bonnes œuvres. Malheureusement, on ne pourra pas enlever ces choses-là parce qu'elles seront faites. Vous aurez commis ces choses-là, vous aurez commis ces actes. Malheureusement, ces actes qui vous auront sali et qui vous suivront toute votre vie. Donc, faites attention, ne dormez pas dans la vie spirituelle. Ne dormez pas dans la vie spirituelle. Élevez-vous, demandez pardon au Christ. Dites, Seigneur, j'ai envie de me lever pour toi. J'ai envie de combattre pour toi. Oui, j'ai envie de mener le bon combat. Ensuite, une chose. Nous allons prendre Jacques, chapitre 4, versets 7 et 8.
Jacques, chapitre 4, versets 7 et 8. Soumettez-vous à Dieu, entièrement à Dieu. Soumettez-vous entièrement à cette parole divine. Soumettez-vous entièrement à Dieu. Résistez au diable. Résistez au malin. Résistez à Satan. Et lorsque vous allez résister à Satan, il fuira loin de vous. Il fuira loin de vous. C'est ce que dit cette parole. C'est ce que dit cette parole. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Donc, soumettez-vous entièrement à Dieu, résistez au diable et approchez-vous de Dieu. Demandez comment je dois m'approcher de Dieu, comment je dois faire. Vous savez une chose que j'ai appris il n'y a pas longtemps. Lorsque vous mettez le réveil chez vous, vous mettez le réveil chez vous, vous voulez vous lever par exemple à 6h du matin, à 7h, pour d'autres à 10h. Lorsque vous mettez le réveil et que ensuite vous décalez ce réveil de 5 minutes, lorsque vous décalez ce réveil de 5, 10 minutes, lorsque vous décalez encore ce réveil d'encore 5 minutes et vous vous réveillez pas à 7h pile, mais à 7h45. Vous savez que c'est très nocif pour votre santé. Vous savez que c'est une étude le prouve que c'est nocif pour votre santé. Et de même, c'est la même chose. Lorsque vous repoussez votre vie spirituelle, votre vie de prière, la prière. Oh non, je ne vais pas prier aujourd'hui, mais je vais prier demain. Non, mais je ne vais pas prier maintenant, mais je vais prier ce soir. Lorsque vous commencez à prier comme ça, ça peut être très néfaste pour votre santé. Oui, j'utilise bien le mot néfaste pour votre santé, pour votre vie spirituelle. Oui. Donc, dès que le moment se présente, dès que le moment opportun se présente à vous, apprenez à prier directement, demandant pardon, avoir des prières et des supplications. C'est ça le bon combat. C'est ça le bon combat. Soyez éveillés en tout temps. Troisièmement, pourquoi je dois combattre ce bon combat? Pourquoi? Pourquoi? En anglais, il y a un petit proverbe qui dit « No pain, no gain ». Il n'y a pas de récompense sans avoir cette tribulation. Donc, si vous combattez ce bon combat, oui, mes chers frères et sœurs, il y a une récompense qui vous attend. Il y a une récompense qui vous attend. Nous allons prendre 2 Timothée chapitre 4, verset 7. Vous avez pu voir, j'ai pris Éphésiens et 2 Timothée. C'est sur les paroles sur lesquelles j'ai médité. Mais là, nous allons prendre ce verset et nous allons dire ensemble, lorsque vraiment nous courons et que nous aurons terminé cette course pour Christ, nous allons dire comme l'apôtre Paul nous a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Qu'est-ce qui nous est réservé? La couronne de justice. Oui, il y a une récompense, mes chers frères et sœurs. Notre Seigneur Jésus-Christ nous réserve une couronne de justice. Le Seigneur, le juste juge, le juge suprême, nous le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. À tous ceux qui auront aimé, attendu son avènement. Alléluia. Alléluia. Oui, mes chers frères et sœurs, si vous et moi, nous combattons le bon combat, nous courons dans la bonne course, nous sommes éveillés dans la vie spirituelle, à ce moment-là, nous pourrons dire que je vive ou je meurs, je le ferai pour Christ. J'aurai une vie dévouée, j'aurai une vie sanctifiée. Et à ce moment-là, je serai aussi même que je suis choisi pour le Christ. Alléluia. Lorsque notre Dieu parle, lorsque notre Dieu parle à travers ses paroles, il nous donne cet esprit, ce zèle, il nous donne vraiment le Saint-Esprit qui vient nous encourager, qui vient enflammer notre feu spirituel. N'ayez plus peur. Dites-vous, oui, le Christ est avec moi. Et ensemble, fermons les yeux et prions. Fermons les yeux et prions. Le titre d'aujourd'hui, combattre le bon combat. Comment je peux combattre et contre qui je dois combattre ce combat? Pas contre les hommes de ce monde, pas contre le sang et la chair, mais contre les œuvres de Satan, contre les princes des ténèbres.
contre les méchants qui entourent ce monde, contre les esprits méchants. Comment je peux combattre? En soyant, en étant éveillé spirituellement, en nous revêtant des armures spirituelles et prier, exaucer nos prières et nos supplications. Et pourquoi nous devons combattre ce bon combat? Pourquoi? Parce qu'il y a une récompense qui vous attend, oui, peuple de Dieu. Il y a une récompense qui nous attend. Cette couronne de justice qui a été promise pour l'apôtre Paul et pour chaque personne qui aime et qui attend la venue de Christ, qui court dans le bon chemin. Oui, Père Céleste, en ce moment, nous prions pour chaque personne qui a écouté ce message, Père. Pour chaque enfant, Seigneur, qui a écouté cette parole. Seigneur, merci de les toucher, Seigneur, de les fortifier, de les encourager, Seigneur, à mener le bon combat. Seigneur, faites en sorte qu'ils ne repoussent pas la prière, Seigneur, qu'ils ne repoussent pas leur lecture biblique, Père. Mais, Seigneur, qu'ils se mettent dès à présent, Seigneur, à prier, qu'ils puissent être éveillés, Seigneur, et savoir toutes les ruses du malin, Seigneur. Tous les pièges que Satan vient mettre, Seigneur. Non, nous avons vu que Satan ne viendra pas dire « Viens mentir avec moi » ou « Viens faire l'adultère avec moi » ou « Viens faire n'importe quel péché avec moi ». Non, Satan viendra mettre des pièges. Il vous ramènera dans un chemin et à ce moment-là, vous allez tomber dans ce chemin et vous allez savoir que « Ah, j'ai commis ce péché ». Et ensuite, il vous pointera du doigt, il vous dira « Ah, tiens, tu as commis ce péché ». Il vous fera culpabiliser. Il vous fera culpabiliser, mes chers frères et sœurs. Donc, nous prions le Christ pour qu'il nous donne cette force. Nous prions le Christ pour qu'il vienne nous aider. Nous prions le Christ pour qu'il nous donne cette grâce afin de mener ce bon combat, courir dans cette bonne course, faire le ministère de Dieu, prêcher la parole de Dieu, que ça soit bien ou mal, que les gens écoutent ou pas, que l'occasion se présente ou pas, comme nous avons vu dans le premier verset. Faites bien, remplissez bien le ministère. Soyez un évangéliste correct et remplissez votre mission. Je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je prie pour que sa protection et sa puissance inébranlable vous entourent. Au nom de Jésus-Christ, amen, amen, amen. Chers frères et sœurs, nous avons vu la parole de Dieu aujourd'hui et le Saint-Esprit a parlé avec nous de comment nous devions combattre ce bon combat. Fermons les yeux et prions. Seigneur, nous te remercions pour ta parole, pour ce culte, Seigneur, et pour chaque moment où tu as été là avec nous, Seigneur. Seigneur, que tu puisses nous conduire, que tu puisses nous diriger, pas seulement aujourd'hui, mais que chaque jour de notre vie, que tu puisses être là, Seigneur, et que nous n'oublions pas cette parole, Seigneur, que nous ne nous relâchons pas, Seigneur. Peut-être que nous pouvons être enthousiastes aujourd'hui, mais demain, nous ne nous relâchons pas, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, pour nous réanimer avec ton Saint-Esprit, pour que nous soyons encore plus brûlants pour toi, Seigneur, pour que ce feu, Seigneur, puisse brûler en nous, pour que nous faisions ton ministère, pour que nous vivions pour toi, pour ta volonté, Seigneur. Nous te remercions au nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Mes chers frères et sœurs, j'espère que le Seigneur nous accordera la possibilité de nous revoir très bientôt. Je prie pour cela et j'espère que le Seigneur nous accordera cette faveur. Et gloire à son nom si on peut se revoir pour louer, pour partager et pour honorer le Seigneur ensemble. Alléluia. Fermons les yeux. L'amour de notre Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soit avec nous aujourd'hui et jusqu'à ce que notre Seigneur Jésus-Christ revienne. Disons-le avec foi. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Maranatha, viens Seigneur Jésus.
Que Dieu vous bénisse. Passez un bon dimanche. Amen.